Et tout le monde, c'est Souris sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le live Summit Misty Mountain du 19 au 26 janvier. Récompense Misty Mountain. En bronze, on a un pack de notoriété 150 000 followers. En argent, on a une moitié d'ensemble légendaire 2 sur 2 boosté en rallycross. En or, on a une Jeep Wrangler Evo 2 édition Rally Raid. En platine, on a un toit Intrépide Outdoor en épique. Voici les défis et les épreuves de ce live summit. Donc on va commencer par le défi slalom, aucune restriction. Cascade, Siasta, Sasta. Je crois pas qu'on l'a déjà eu ce slalom là. Enfin on l'a déjà eu en summit mais on l'a pas eu depuis très longtemps. Alors cette semaine du coup c'est un peu buggé du coup en ce moment sur The Crew 2. Comme vous avez pu le voir, au record que j'ai fait dans ce défi slalom. Alors il y a un bug. Du coup, on n'obtient pas beaucoup de points. Ça veut dire que le maximum de points qu'on peut obtenir, c'est pas plus de 6000 points actuellement. Dans le défi slalom, dans le défi fluide, c'est encore. On peut pas obtenir plus de 1000 points, à peine 1000 points. Donc moi je pense pas que j'en rêverai. Enfin, il y a un bug actuellement et du coup c'est pour ça qu'on peut obtenir autant de temps. Alors, le bug on sait pas quand il sera réglé, en tout cas ils vont faire un patch. C'est prévu que du coup qu'il y a une mise à jour qui soit faite sur le jeu, ben, ça je sais pas quand. Hein. Il y a une mise à jour qui sera faite pour régler ce problème là. Donc quand il y a une mise à jour, c'est que le problème, comptage de points sera réglé. C'est un bug, donc après enfin, on peut dire comptage de points parce que c'est le c'est un peu le en même temps qui fait à la fin de l'épreuve. Hein. Et voilà, enfin c'est pas grave du moment qu'on peut faire des défis, c'est principal, mais après c'est vrai que c'est la première fois que c'est bugué. Hein. Vous voyez, je bats mon record, mais vous voyez, c'est. Là, normalement, je devrais faire 155 000 points. Hein. Donc effectivement, il y a une différence. Quoi. Donc ben je sais pas encore pour le moment, je vous dirai quand ça sera réglé. Donc, voilà. Donc maintenant on va se faire le défi fuite, aucune restriction. Donc là vous voyez les 58 points. Hein. Grand bassin. Fuite, aucune restriction. Donc ce bug infecte uniquement les défis. Hein. Ça n'avait pas affecté les épreuves hein, du semi. Donc les épreuves, vous pouvez toujours faire 120 000 points. Vous pourrez toujours les faire, mais par contre, uniquement sur les trois défis. Alors peut-être que le bug sera réglé d'ici ici. Qui sait que peut-être, hein, attention, je ne sais pas, hein, que le problème sera réglé avant mercredi prochain, parce que je ne sais pas. Hein. Si le problème est réglé avant mercredi prochain, si celle-ci, vous remarquez qu'il y a une mise à jour à faire sur le bug, ben, c'est que maintenant le bug devrait être réglé et vous pourrez obtenir le nombre de points que vous. Obtenir. Alors je pense qu'il va falloir refaire le défi fuite le défi slalom. Je pense qu'il faudra les refaire les défis hein, sincèrement. Ouais je pense qu'il va falloir les refaire. Moi, je sais pas s'ils vont être reset ou les points. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Enfin, de toute façon, je vous ai dit, moi je sais pas. Je sais juste une seule chose, c'est qu'il va avoir une mise à jour qui sera mise mais alors après bah. Enfin en tout cas c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un bug comme ça. Donc vous voyez toi encore la distance que je vais parcourir, bah, comme j'ai dit, le score qui sera aussi bas. Donc là déjà on va me record parce que moi j'étais arrivé à peine sur le lancer. Et vous allez voir, peu importe la distance que je vais parcourir, le score vraiment sera toujours un score aussi mince. Bon, les développeurs le savent, ils ont mis un truc pour dire que ça. Donc maintenant, ben, voilà, il faut juste attendre un patch et puis voilà. Hein. Enfin, plus le problème sera réglé rapidement, mieux c'est avec ça. Moi, je ne m'empêche pas de faire des défis, heureusement, hein, parce que c'est vrai que. Là, ça va, attention. C'est fini. 7831 mètres, bah là,
si j'avais pas de bug, 120, 125 000, je pense que j'aurais fait. Donc là, on fait combien? Oh, ouais, regardez, 557 points. Ah oui, sincèrement, c'est pas beaucoup. Mais bon, il n'y a pas que moi qui est dans ce cas-là. Tout le monde, toutes les personnes qui vont faire les trois défis auront le même problème. Maintenant, on va se faire le défi basse altitude, aucune restriction. Donc, pour une fois, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va faire que ça. Yosemite. Donc, bon, bah, pour battre son record cette semaine, c'est très facile, étant donné que c'est un peu tout bugué. Mais bon, enfin, c'est que les trois premiers défis. Hein. Mais ouais, c'est embêtant, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, ça fait bizarre, vous voyez, ça fait vraiment très bizarre en tout cas. Donc maintenant, eh ben, je vous conseille l'Harmon Rocket HR3. Donc je ne referai pas la vidéo Summit hein, juste pour les trois défis qui sont si quand le patch sera mis. C'est-à-dire que quand je trouve avoir réglé ce problème-là, je vais pas refaire une vidéo. Je vais pas faire une vidéo juste pour les trois défis qui sont bugués. Mais... Non, pas grave. Bon, je pense que là, ce serait bien de recommencer. Oui. Je pense pas qu'on va faire le basse altitude inversé parce que c'est un peu compliqué. On va faire le basse altitude. Oui, le simple basse altitude, simplement comme ça. Oui. Ouais, ça sent mieux. Alors cette épreuve-là, c'est un petit peu moins bugué, parce qu'on peut obtenir jusqu'à 28 000 points, le maximum qu'on peut obtenir sur ce défi arrivatique. Alors c'est un peu moins bugué, parce qu'on peut obtenir 28 000 points par rapport au reste, oui, c'est un peu moins bugué. Hein. Mais... Moi, je m'en souviens plus du tout combien j'ai fait avec mon record personnel. Hein. Alors, un petit peu... Pas ouf là ce qu'on a fait. Voilà, 28 000 points, voilà, 28 000 points, ça prend à peu près ça le sport. Ouais, là, il y a 37 000. Bah, 37 000 là, typiquement, à regarder ce que ça va faire. Voilà, ça fait ça. Bon, c'est un petit peu. Bon, comme j'ai dit, on obtient un peu plus de points, mais c'est. Bah, c'est pas énorme. Hein. Voilà. Maintenant, on va se faire une épreuve d'hypercar avec la 1-1. Colline Blanche-Roche. Je vous conseille la Koenigsegg 1-1. Je sais pas pourquoi les autres pilotes ont pas déjà abandonné. Thank you.
79 points. Ce qui me fait 1494 points de plus. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs à la fin. Mais en vrai, ça va. Maintenant, on va se faire une épreuve de rally raid avec la Silverado 1500 Intrépide Outdoor. Californie du Nord. Donc, je vous conseille la Chevrolet Silverado 1500 Intrépide Outdoor. 3, 2, reste concentré sur parcours et c'est dans la poche. Alors là, franchement, ça fait 10 minutes que je suis en train d'essayer de faire cette épreuve. Et je bats enfin mon record de 9 secondes 819. Je reviens pas tout. Et je fais 7310 points de plus. Ce qui me fait 128 000. Points. Ah bah dis donc, franchement, c'était dur. Alors, sincèrement, c'était vraiment dur. Maintenant, on va se faire une épreuve de motocross, aucune restriction. Plus dur sera la chute. Donc, je vous conseille la KTM 450 EXC Nightwalk Edition. Alors, cette épreuve, c'est un peu, c'est dur. Plus ça va sortir. Reste concentré sur parcours et c'est dans la poche. Bon, en vrai, ça va. À l'époque, par contre, c'était pas là pour les parties de l'école, mais c'est pas bien de les faire de l'école. À l'école, c'était pas là, mais c'était pas là pour les parties de l'école. Pour moi, l'école, c'est pas là. C'est toujours l'école. Comment un moto va se faire.
Non, 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 c'est un mouchoir là, parce que j'ai un mouchoir. J'ai vu ce que j'ai fait en mouchoir sur le fond. C'est pas mal, ce que j'ai fait. Et si c'est ça qui fait gagner la victoire, ce serait bien, non. C'est parfait, là, je lui reste un peu de temps. Là, j'ai fait un mouchoir. Oh, non, c'est pas bon. J'ai fait une 3 secondes en plus de ça. Ah bah vous voyez hein. Alors après c'est vrai que si le saut je m'étais pas pris le sapin, oui j'aurais fait le saut. C'est bon de zone de 129 000. Et il y a moyen de faire 130 000 du coup. Ouais, si j'avais fait mieux. 6835 points de plus, hein, c'est énorme. Hein. Surtout que c'était problème, j'ai fait du premier coup, le record que j'ai fait avant. Maintenant. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Maintenant on va se faire une épreuve de rallycross. Aucune restriction. Ghost Road. Donc je vous conseille la Mitsubishi Lancer WR C05. Je sais pas si vous ai déjà dit, mais cette épreuve là, c'est l'épreuve une épreuve très connue de rallycross avec le véhicule mon véhicule préféré. Oui. Il faut savoir quand même que Ghost Road, c'est l'épreuve là, c'est vraiment partie de mes épreuves favorites sur mon vélo. Parce que elle est vraiment bien. Et aussi parce qu'elle est assez courte et l'avantage de cette course c'est qu'elle est vraiment très courte. Moi par exemple moi ça finit en 2020. Ah, le record que j'ai établi sur cette épreuve c'était 2020. Donc là, est-ce que je vais battre en 2020 dans la main? Ouais, je vais forcément. Alors là, nouveau record 2016-99. J'ai fait 2020-600, je crois, record de 4725 points. C'est qu'il me fallait 126 185. Et bah c'est pas mal quand même. Et maintenant c'est pareil, cette épreuve là c'est mon épreuve favorite. C'est comme marrant parce qu'en fait j'ai les deux épreuves favorites, l'épreuve que mais mon épreuve favorite c'est l'épreuve c'est celle là et maintenant on va avoir une épreuve de rally raid, aucune restriction. Pilote des Haute Plaine. Cette épreuve-là, pilote des Hautes Plaines, c'est mon épreuve favorite. A chaque fois que le jeu me demande de faire une épreuve de rally raid ou de rally cross, c'est soit Ghost Road, soit pilote des Hautes Plaines. Et je fais. C'est, voilà, c'est vraiment mes épreuves favorites. C'est comme j'ai dit, c'est des épreuves qui sont très très courtes. Et puis, très très courtes et très rapides, c'est pour ça. Donc je vous conseille la Ford S150 SVT Evo 1 Enforcer Units.
Et le meilleur véhicule de rally raid, c'est celui-ci. Alors honnêtement, si c'est pas celui-ci, c'est vraiment l'un des meilleurs. Tu vas tout déchirer. Ça fait vraiment partie l'un des meilleurs véhicules de rally raid. Parce que vous voyez, il est vraiment très très stable, honnêtement, en off-road. C'est pour ça que ça fait vraiment partie des meilleurs véhicules. Donc en fait c'est quand même marrant parce que dans ce Summit, vous avez finalement la meilleure épreuve favorite de Rallycross et l'épreuve favorite de Rally Raid. C'est quand même marrant. Bah ouais. Après c'est comme ça hein. Mais c'est vrai que c'est un coup c'est vraiment de la chance. Mon épreuve favorite de Rally Raid et de Rally Cross dans le même film, ça c'est vrai que c'est avec le nombre d'épreuves de Rally Raid et de Rally Cross qui sont finies. Oui c'est vrai que théoriquement je sais pas comment c'est possible mais c'est possible. Donc 10 secondes hein. C'est 10 secondes de moins là, c'est énorme non que dans un temps. Et imaginez que 10 secondes de moins à la fin ça fait 10 minutes. Hein. Oh. Je sais pas. Bah moi ouais, je sais pas du tout mais. Alors là ça va marquer du coup combien de temps. Ah oui mais clairement, j'ai pris le réseau de report. Hein. 1 minute 46. À l'époque je faisais 2 minutes donc là c'est encore mieux même. Je fais combien? 9000. 768 points de plus hein. Quand même hein. Bah oui effectivement. C'est. Ouais c'est bon. Ah oui j'aurais pas cru que de faire un record aussi grand que ça. Donc ouais c'est quand même pas mal hein, franchement. Maintenant on va jouer une épreuve de rallycross en rally raid. Aucune restriction. Stage numéro 6 de Golden Ale à Los Angeles. Je conseille la Ford S150 SVT Raptor EVO 1 en forceur unique. À Los Angeles, du Nevada à la Californie. Stage numéro 6, US Speed Tour West. Thank you.
facile de battre le repère encore une fois. Hein. Mais j'avais dit, hein, les trois dernières épreuves, là, c'est trop facile que les premières épreuves. Parce que sincèrement, les premières épreuves, j'ai déjà commencé depuis longtemps. Hein. Oh, j'ai pas mis longtemps longtemps, mais j'ai passé pendant plusieurs minutes hein, pour commencer ces épreuves. Hein. Ouais, ce film n'était pas si dur que ça. Bon, les épreuves, j'ai recommencé plusieurs fois, mais honnêtement, je suis quand même assez satisfait. Je suis quand même satisfait. Hein. Il y a même des fois où je ne sais même pas comment terminer. Et... je suis arrivé à cet endroit-là et du premier coup, c'est passé. Hein. Voilà. Et pourtant, j'ai galéré à des endroits où c'était assez facile. Hein, pourtant... comme quoi il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, hein, des fois on n'arrive pas à des endroits simples, et on va bien. Mais... ouais, c'est un petit peu bizarre quand même, parce que... ouais, c'est pas bien, hein. Et là c'est carrément facile, c'est la même chose facile. Hein. Alors c'est des vols là, c'est les points du rallycross la plus longue. On peut avoir, là on l'a fait en rallye-rail, du coup. Honnêtement, peu importe, hein, l'épreuve du rallye-cross quand on rallye-rail, honnêtement, ça reste quand même assez facile. Si vous voulez, mon record, je vais quand même le battre assez facilement, voilà. Je pense que je vais battre mon record de 10 secondes, là, quand même. Je sais pas. On va voir, on va voir. Faut quand même se rendre compte que j'ai... si je fais 10 secondes demain, ça va vraiment avoir beaucoup de temps. Après. En même temps, étant donné qu'il y a un doute cette semaine, vu que je vais gagner autant de points que d'habitude, si j'arrive à gagner un peu de points par ci par là, ça peut être ça de bien, parce que c'est vrai. Et du bug, du coup, on a quand même beaucoup moins de temps. Hein. Ah, avec ce bug, je perds sérieusement. Je perds 1500 enfin 157 000 c'est énorme hein, 157 000 ouais je perds plus 157 000 dans le défi slalom dans le défi fu je sais pas combien je vais faire mais si jamais je devais faire un score j'estimerais que je serais dans les 130 000 à 20 000 dernier checkpoint avant ouais, Los Angeles moins, hein. Les concurrents sont sur le point d'apercevoir l'océan Pacifique. Alors combien j'ai fait de moins, parce que du coup j'ai pas vraiment regardé. 10 secondes, ah bah voilà, 10 secondes de moins. 131 000. Donc 8 635. Donc 10 secondes, ça fait 8 000 pas. C'est énorme. Oh bah c'était très 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 facile. Hein. Les épreuves du Speed Tour, c'est très facile de toute manière. Donc à la fin du summit on a fait que 895 402. Ah, jamais je me serais dit on ferait en dessous des 1 million de points. On n'a même pas fait 1 million de points dans l'intégralité du summit. Hein. Et oui parce que regardez on est à peine à 895 donc ça veut dire que... ouais. Et quand le bug sera réparé pour ces trois défis on pourra dépasser les 1 million de points. Mais même le record mondial ne dépasse pas les 1 million. Donc vous voyez déjà là, c'est ouais, ça craint un peu. Enfin, c'est la première fois que c'est comme ça. Hein, donc bon. Donc et ben du coup, et ben je vais vous montrer du coup et ben toutes les affixes hein, et pièces de performance pour toutes les épreuves et défis. Donc et ben à tout de suite. Pour le défi slalom, je vous conseille le Hummer HX Concept avec les pièces de performance de pur surdoué et plusieurs heures de score pour vos 7 pièces. Pour le défi fuite, je vous conseille la Koenigsegg Regera avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces.
Pour le défi basse altitude, je vous conseille l'Harman Rocket HR3 avec les pièces de performance de surdoué pur et pulvérateur de score pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve d'hypercar, je vous conseille la Koenigsegg 1-1 avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces. Pour la première épreuve de rallye raid, je vous conseille la Chevrolet Silverado 1500 Intrépide d'or avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de motocross, je vous conseille la KTM 450 EXE Nightwag Edition avec les pièces de performance de hyperventilation pure et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de rallycross, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC05 avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de rallye raid, je vous conseille la Ford F-150S VT Raptor Evo 1 Enforcer Units avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de rallycross qui se joue en rallye raid, je vous conseille la Ford F-150S VT Raptor Evo 1 Enforcer Units avec les pièces de performance de pur ultra gonflé et chimiste de la nitro pour vos 7 pièces. Maintenant j'ai fini les défis et les épreuves de ce live summit. Donc du coup je vais vous montrer un bref aperçu de ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. La semaine prochaine du 26 janvier au 2 février, récompense Year of the Tiger. En bronze on a un pack de notoriété 200 000 followers. En argent on a une Maserati Alfieri Concept. Toutes les pièces cosmétiques. En or, on a une fumée orange commun et en platine, on a une Jaguar CX75 Concept Lunar Year Edition. Voici les défis et les épreuves de ce Live Summit. Donc, on va avoir un défi slalom, aucune restriction. Un radar, aucune restriction. Un aérobatique, aucune restriction. Une épreuve de rallycross, aucune restriction, car une récompense de 45 000 bucks. Une nouvelle épreuve de street race, aucune restriction avec une récompense de 45 000 bucks. Une épreuve d'hypercar avec un véhicule forcé avec une récompense d'hypercar. Donc des pièces légendaires pour l'hypercar. Donc cette pièce. Une épreuve de street race avec la Murcielago LP740 avec une récompense de 400 000 followers. Une épreuve de powerboat avec la SV12 avec une récompense pour le powerboat. Donc cette pièce légendaire pour le powerboat. Et une épreuve de street race qui se joue en hypercar avec la Fiera Alfieri Concept avec une récompense de 20 Motorstar. Donc je vous retrouverai en live le 26 janvier et je vous retrouverai eh ben, la semaine prochaine en vidéo le 27 janvier. Donc au 27 janvier, c'est ça où ils sont trop faits.